avec nous, il y a donc un mouvement des jeunes promoteurs de l'anglais. How are you? Alors, viens, Monsieur Ngoran Kwaku, come here, please. Yes. I speak English. Okay. Attention. Where is the microphone? Can I have the microphone, please? J'ai tué. Alors, International Movement of the Young Prompters of English. Yeah. Right. Okay. Why are you here? Well, you just came here to be seen, first of all, by our population to tell them that it exists an important movement, which is the one promoting the English language. Can you translate, please? Il est venu à ce midi pour présenter son institut, justement, pour amener les jeunes à se familiariser à l'anglais. Merci beaucoup. Why is it important to speak English? Yeah, we don't have where to qualify the deepness of, let me say, the important English. Mm-hmm. You know, today in our relations, the international relations, yeah, English is something that is more necessary today in the diplomatic affairs. Mm-hmm. Yeah, we need English to be doing all those activities. Thank you. Aujourd'hui à l'international, donc c'est important de parler l'anglais. Il faut être bilingue. En fait. Et pendant ce temps, Lucienne nous rejoint. Merci beaucoup, Méliane. On a parlé des différences là, c'est pas parler de ça. Voilà. En tout cas, on est content d'être là. On va retrouver Méliane. Méliane, on va parler avec toi des objets connectés aujourd'hui, n'est-ce pas? Tu es prête? Oui. Ça sera facile, tu le fais en anglais ou en français? Non. En français, mieux. Yes. Méliane, c'est parti. Mais Caroline, aujourd'hui, comme on a dit, on parle des objets connectés. Principalement, on va prendre l'exemple d'une montre. Mm-hmm. Mais bien avant, il faut définir ce que c'est qu'un objet connecté. Tout à fait. Il faut dire qu'un objet connecté, c'est un objet dont la vocation première n'est pas d'être un périphérique informatique. D'accord. En français. On va prendre l'exemple d'une paire de lunettes ou des porte-clés. À la base, la paire de lunettes n'est pas conçue pour être un périphérique informatique ou pour être connectée à Internet. D'accord. Donc, dans l'instant où on utilise Internet, où on insère un système à l'intérieur de la paire de lunettes qui le transforme en outil informatique, ça devient un objet connecté. Donc, on prend par exemple le cas de ce bracelet. Il ressemble à un bracelet, mais en fait, c'est une montre connectée. Donc ça, il n'est pas connecté? Non. Ça va que c'est la même couleur, mais c'est pas connecté. Demande au propriétaire si ça n'est pas connecté. Et il faut dire que... Je veux quand même te connecter, vu que tu es un logiciel. Donc, il faut dire qu'avec les objets connectés, on va révolutionner notre usage, on va révolutionner notre quotidien en termes de sécurité. Je veux dire, aujourd'hui, avec même une paire de lunettes, tu peux avoir un dispositif GPS qui fait qu'on peut te localiser, on peut savoir où tu es. Donc, on a même des petits porte-clés dans les sacs des enfants pour savoir où ils sont. Mais quand on dit objet connecté, est-ce que cela voudrait dire qu'à partir de l'objet, on peut avoir la connexion Internet ou c'est tout autre chose? À partir de l'objet connecté, je veux dire, l'objet devient à un lien. Maintenant, d'accord, avec un système intégré, l'objet a lui parfois accès à Internet. Par exemple, si on utilise cette paire de lunettes pour la transformer en GPS, c'est clair qu'elle doit avoir une connexion Internet. Elle doit être reliée soit à un satellite qui permet d'avoir sur ta machine le dispositif ou le positionnement. Donc, par exemple, l'inconvénient, malheureusement, c'est qu'on n'aura plus de vie privée, on va dire, parce que toutes nos données seront accessibles. Oui. Par exemple, on prend le cas de... Même avec accessible à qui? Tout le monde public. Non, je veux dire... Pas aux curieux. Caroline, tu as dans ta boîte mail tous tes déplacements parce que tu auras un objet connecté avec GPS permet de te localiser. Donc, c'est un peu ça le hic. Donc, pour revenir à l'objet connecté aujourd'hui qu'on va utiliser qui est la montre, il faut dire qu'avec ça, ça devient comme un téléphone. Cette montre étant reliée, synchronisée à mon téléphone, je peux être à 10 mètres. Le téléphone peut rester dans la chambre. À 10 mètres, je peux décrocher mes appels. Donc, plus besoin de dire « Ah, je n'ai pas vu, j'ai pas vu ».
des appels automatiquement. Est-ce que là, il est connecté en ce moment? Oui, il est connecté. Pas dire. Elle, c'est la montre. La montre est connectée. Est-ce que la montre est connectée en ce moment? Oui, elle est connectée en ce moment à mon téléphone portable, qui fait que si on m'appelle, je peux automatiquement décrocher, pas besoin d'avoir le téléphone. Et comment tu communiques alors? Il y a un microphone ici pour parler, et là, il y a, je veux dire, les baffes. Donc, j'entends et je communique. Donc, ça fait un peu comme un kit Mali. Est-ce que tu vois le numéro qui t'appelle? Oui. Là, essaie de m'appeler. Bon, c'est vrai qu'il est sur silence. On va faire le test. Essaie de m'appeler là maintenant. Celle-là, là maintenant, ce n'est pas une UTG. Oh, honte. Mais grave encore si tu n'as pas son numéro. Ah, c'est ça, son numéro. Et il faut dire aussi qu'avec les objets connectés, aujourd'hui, on a accès au domaine de la santé. Bon, par exemple, là, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler maintenant. Il est fort, hein, le gars. Genre, pour tester. Donc, à l'écran, là, on voit le numéro de la personne qui s'affiche sur la montre. Donc, je peux décrocher ou pas. Décroche. Essaie de te déplacer un peu. Ça vibre ou moins. Oui, ça, bon, là, on est à l'antenne, donc c'est sur silence. Voilà, donc, essaie de t'éloigner Alissa, un tu peu. Me rappelles de ton portable. Tu m'appelles, d'accord. Je m'éloigne. D'accord, tu vas laisser... Tu viens, connais. Lève-toi. Voilà. D'accord. Alissa, je suis en train de t'appeler. On est à ton côté. The person you are trying to... Tu n'as pas une unité. Non, elle n'est pas joignable. Oh, ah, d'accord. Voilà, tu as un appel ici. Vas-y. On voit le numéro de la personne. Vas-y. Je ne vais pas courir le risque de décrocher, je ne sais pas qui c'est. Peut-être sur mon numéro, fais attention. Vas-y. Décroche. Bon, la personne a coupé, Bon, moi, je t'appelle. Vas-y, relance. D'accord. On a 30 secondes pour finir. Oui, Alissa. Ça sonne. Ah, ça marche. Oui, ça sonne, donc voilà. Je décroche. Non, tu décroches. J'ai décroché. Cause. Allô? Oui, Mélie, ça va? Oui, je suis super bien. Mais c'est et toi? Trop facile. Non, attends. Non, mais. Mais attends, le attends. Truc. Le... Mais ah, attends, attends. Tu es où? Ah, c'est midi. Ah, tu m'attends? Oui, parfaitement. Ah, ça n'a pas l'air. D'accord. Ah, là, c'est bon. Ah. Écoute. Sacré philo, ça parle. En plus de ça, il faut dire que ça gère le système de santé. Donc avec l'installation, par exemple, dans ton téléphone, bon, c'est vrai que Caroline va se moquer de moi qu'elle va avoir ça, mais bon, c'est pas bien grave. Là, on a l'activité sportive, par exemple. On sait combien de pas ou quel est mon objectif de la semaine. Donc là, par exemple, Caroline, aujourd'hui, j'ai 7000 pas à faire. En termes de distance, j'ai 41 km à parcourir pour être en bonne santé. J'espère bien. Et puis, j'ai 300 comptes. Tu vas les faire. Calories à peine. Mais non, j'ai 8 heures de sommeil à rattraper. Là, j'en suis pas Continue, si sûre. Hein. Merci beaucoup. Alors, Méliane, on va conclure rapidement. Donc, il faut dire qu'avec les objets connectés aujourd'hui, on révolutionne le monde et toutes les grandes marques aujourd'hui sont en train de se familiariser à ce qu'on appelle à produire des objets connectés. D'accord. Donc, il est utile d'avoir des objets connectés. On se facilite la vie, tout simplement. Merci encore pour toutes ces informations. Merci, Méliane. Ça va? Ça va, comme je le dis.